reconnais pas. C'est parce que ma mère, elle a un running gag là, chez nous. Elle me dit tout le temps que Patrice, il est propre. T'appelles ça un gag? Non, mais c'est pas un gag. Elle, c'est bien sérieux, là. Elle dit, gars, Patrice, à la télé, tout le temps, beau gelé, il est sport, mais il est classique, c'est propre. J'ai voulu lui montrer que moi aussi, je peux être propre. Parce que ta mère trouve que tu t'habilles pas bien? Ben, je veux dire, c'est rare qu'on est bien habillé pour une mère. Tu sais, je veux dire, surtout quand t'es en jeans puis côte de cuir. Ma mère, elle aime ça. C'est ça. Sport, mais classique. T'es en train de me dire que c'est la première fois que tu fais plaisir à ta mère ce soir? Non, non, non. Ben non, ben non. Écoute, on a des enterrements, des mariages. Est-ce que ta mère va voir tes spectacles? Oui. Oui. Est-ce que tu fais une attention... Est-ce que tu portes une attention particulière à ton texte lorsque ta mère est dans la salle ou si tu fais le même spectacle que d'habitude? J'y pense un petit peu. Il y a des fois, j'ai déjà modifié des gags parce qu'elle était là. Je sais qu'elle aime pas que je fais des blagues sur mes grands-parents, ma grand-mère, mon grand-père. Ça, elle aime pas ça, là. Mais quel genre de blague tu fais qu'elle aime pas? Sur mon grand-père, je sais pas, moi. Sur ma grand-mère, c'est parce que je dis qu'on vient d'une famille très, très, très spéciale, tu sais, puis je dis tellement qu'à Noël, l'année passée, on a fait un échange de coupe. Puis je dis que j'ai pigé ma grand-mère. J'ai joué un tour, je l'ai saoulé, j'ai fait à croire qu'on l'avait fait, tu sais. Là, après ça, je dis, là, j'ai quand même fait un cadeau, c'est la grosse mode, c'est ici les certificats cadeaux, là. Oui. J'en ai donné un de 200$, je suis un embaumeur. J'ai dit, grand-maman, stresse-toi pas avec ça, il est bon jusqu'au mois de mai. C'est bien cute, puis dans le fond de tout ça... C'est cute, c'est quoi? Non, mais dans le sens que si tu connaissais, les gens qui me connaissent savent bien que moi, mes grands-parents, je veux dire, sont décédés maintenant, mais mon grand-père, lui, pour rire, je veux dire, il était tellement fier de ce que je faisais. Ma grand-mère, ça, c'était grand-maman, pot de bonbons, on arrivait, tu sais, je les adore, je veux dire, j'ai infiniment de respect pour mes grands-parents. Mm-hmm. Mais je veux dire, c'est un spectacle, puis écoute, le mandat, oui, c'est de faire rire. OK. Parce que d'habitude, je suis super sérieux dans la vie, moi. Oui, ben oui. Tu sacques pas du tout dans la vie. Non. Jamais, jamais. Jamais. Si je me souviens bien, je me trompe? Ben, je veux dire, c'est juste que c'est... Je sac pas beaucoup dans la vie. Je veux dire, c'est sûr, quand je suis en crise, là, t'sais. Mais je suis une personne, je veux dire, dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui sac beaucoup, je trouve que c'est quelqu'un qui manque de patois ou qui manque de vocabulaire. Et sur scène, c'est pas la même chose? Ben, c'est mon univers, je sais pas, on dirait que je deviens un peu démon quand je suis sur la scène. T'sais, j'arrive, je suis tout seul devant, je sais pas, 1500, 2000 personnes, t'sais, puis là, je suis rendu au stade que je fais des spectacles devant des gens qui ne connaissent pas. Au début, c'est des gens qui m'avaient vu ici et là, puis c'était mon public. Là, c'est des gens qui sont assez curés d'entendre parler de moi. Bon, on va y aller le voir. Fait que là, est-ce que tu choques des gens? Parce que je sais, par exemple, juste pour rire, à un moment donné, il y a des gens qui font du « oh, oh, oh » pendant ton spectacle. T'es pas un témoin, puis tu leur réponds tout de suite. Oui, ça me nourrit beaucoup, ça. Non, sérieusement, les gens, si tu vois le spectacle de 2 heures, tout ce que j'amorce, je le désamorce. T'sais, c'est vraiment ça qui est le... C'est traité avec de la naïveté. C'est pas... Si quelqu'un qui est méchant dit quelque chose de méchant, ça fait méchant, t'sais. T'as été paysagiste, toi, à un moment donné. Oh, mon Dieu! Fais-le one plug, oui! Ah, ça a pas d'aller. Je me cherchais une job. Là, ma mère, à un moment donné, j'ai été chanceux, j'étais gâté chez nous. Mon père, c'est un homme... Bon, ben, tu sais, je veux dire, c'est comme... Tu vas travailler, on faisait des choses, mais j'ai été chanceux quand même, tu sais, j'étais... Là, à un moment donné, ma mère, tu serais le fun, tu trouves une job, là, tu sais, puis j'ai essayé plein d'affaires, puis... Je trouvais ça. Le paysagement, j'aimais ça parce que j'avais suivi un cours de foresterie, mais en paysagement, j'étais pourri. Là, fait qu'à Sherbrooke, à un moment donné, je vois dans le journal, il offre un paysagiste. Il cherche un paysagiste en chef. Hey, j'appelle, c'est moi. Mais je connais rien là-dedans. Je suis allé passer une fin de semaine avec un vieux paysagiste au serre de Sherbrooke. J'ai parlé à mon nom comment faire une entrée en pierre modulaire puis tout ça. Je suis arrivé là, puis je me suis mis à jaser avec le gars. Pis... T'as eu des contrats? Oui. Puis le pire, c'est que les gens qui travaillaient pour. Hey, je suis gêné, ils sont pas morts, eux autres, ça fait pas longtemps. Là. Ils travaillaient pour moi, ils venaient me voir, puis c'était des gens très compétents, très intelligents, puis bien plus vieux que moi. Ils me disaient, moi, j'avais pensé, puis faire ça, l'entrée en pierre modulaire, on va creuser environ 12 pouces, on va mettre un peu, on va mettre le système de drainage dans le fond, on va mettre un petit peu de concassé, puis on va rapetisser tout le temps jusqu'à de la petite poussière d'amiante. J'ai dit, c'est ça, celui-là, man. Yeah.
Les gars étaient super compétents, fait qu'on a fait des jobs, puis pis que le mérite revenait à moi, mais c'est pas cool, là, tu sais. Mais c'est pas grave, écoute, ça a été une expérience, puis... J'avais une bonne job. Premier job qu'il m'a donné, ce paysagiste-là, j'arrive sur un terrain pour évaluer ça, puis une grosse souche. L'arbre est coupé, mais il y a une souche, vraiment, là. Un gros, j'ai rarement vu un arbre de même, probablement qu'il y a, en tout cas. Là, je regarde ça, puis je fais mes analyses, puis je drille des trous, j'attache après le bumper du gros truck, puis je pars. T'es jamais parti? Ben, le bumper a resté là. Hey, j'étais gêné. C'est terrible. Tu organises des soirées de poésie. Bon. Mais non, mais c'est sérieux, ça. Ouais, mais ça fait fif en maudit de dire ça de même. Comment veux-tu dire ça? Non, c'est vrai. On a organisé ça. Ça m'est arrivé à Sherbrooke, puis un petit peu aussi dans les Laurentides. C'est que moi, j'ai aussi... Tu sais, quand tu veux écrire un texte d'humour, puis ça donne que t'es en grosse peine d'amour, ça finit en poème. Tu sais, c'est tu relis ça, c'est pas drôle, ça, Baptiste. Tu sais, puis là, c'est ça. Fait que demain, m'est peut-être venue l'idée, mais depuis l'âge de 14 ans, j'écris quand même de la poésie. Est-ce que tu veux publier à un moment donné? Moi, j'ai une affaire, là. Ça, c'est vraiment, là. J'ai jamais parlé vraiment de ça, là. C'est que depuis l'âge d'environ 15 ans, j'écris à tous les 4 ans. Je résume les 4 ans de ma vie. Tu comprends-tu? Ben là, je suis pas rendu à 60 non plus, là. Mais. Quand je vais avoir 40 ans un jour, à toutes les 4 ans, je résume alors le livre. Puis le dernier bout, parce que d'où je viens en campagne, entre l'Ac de l'Est et Saint-Sébastien, il y a un gros mont. Puis c'est bien le fun, mais c'est la maison du granit. Là, puis bon, tu vois les Appalaches, tu vois plein d'affaires. T'sais. La vue est incroyable. Puis moi, je voudrais finir d'écrire mon livre-là, mettons les 200 dernières pages, là, avec des références sur qu'est-ce que je vois. Puis les gens qui vont être vraiment fanatiques de la littérature, mettons, de mon livre, même s'il y en aura deux, je m'en fous. Ils vont aller lire les 200 dernières pages sur la montagne, où est-ce que j'ai fini de l'écrire. Ouais, puis je vais installer le petit bain avec chaud, là. Les pinottes. Le numéro qu'on va voir tantôt, OK? Ouais. C'est... Tu fais jamais les numéros de façon intégrale lorsque tu les fais à la télévision. Non. Cet été, c'est vrai, à Juste pour rire, tu me dis, avant d'entrer sur scène, tu me dis, cette année, on me dit de couper, ça couper, de faire attention. Pas, ça passe pas. Cette année, je coupe rien, et là, on t'a vu à la télévision. Pourquoi tu penses que ils tes numéros... Ils ont même passé toutes les années avant. ils ont... Marketing. Ils ont tout repassé. Ouais, tout. Ils ont tout passé. OK. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tes numéros fonctionnent non censurés, puis censurés, ça marche pas? Je pense que, honnêtement, c'est parce que les gens ne me connaissaient pas. C'est sûr, quand tu sors un spectacle, puis bon, ta publicité, puis les gens qui viennent au... Les gens qui disaient « j'étais cru, puis j'étais vulgaire », c'était bien souvent des gens qui n'avaient pas vu le spectacle. OK. Là, je pense que ça fait quand même quelques années. Je ne dis pas que j'ai une carrière très installée ici, là, mais... Mais ça va vraiment très bien. Ouais, petit écoute, Jésus. Le 22 au 25 avril au Théâtre Saint-Denis, dépêchez-vous si vous voulez avoir des places, là, il n'en reste pas beaucoup. Non, c'est vrai. C'est génial, ça. Mmh. Ça va bien, chance. Mais c'est ça. Fait que les gens, je pense qu'ils me connaissent pas. Puis dans le fond, quand ils viennent voir mon spectacle, puis je te dirais que les gens, même des vieillards, l'année passée, au Vieux Clocher de Magog, j'ai passé l'été là. Puis un soir, Bernard Cazet, le propriétaire du Vieux Clocher, vient me voir et dit Pete, il dit à soir, c'est spécial, on a deux autobus de gens du troisième ordre. Fait que yes, sir, c'est cool. Mais c'était spécial. Là, c'est quand t'as des chapeaux, là, des permanents. Là. Ça a été. C'était bien drôle, ben j'ai commencé chaud, j'ai dit, je vois que vous êtes des gens du troisième âge, je suis très heureux que vous soyez là, merci beaucoup de m'encourager, mais j'aime autant vous le dire tout de suite, OK? Je suis crissement plus élevé que Jules Latulippe, OK? Ça a été une belle soirée, ça a été formidable, ça va rester gravé longtemps pour moi, puis ces gens-là, ça fait drôle, d'habitude, t'as des filles de 17-18 ans qu'après, ils veulent avoir des autographes, ça, là, c'était tout des malins entre 80 et 90, c'est quand... On va avoir un petit aperçu de ce que ton numéro est pas censuré. Hey, en passant, c'est parce qu'ils m'ont dit de mettre à l'aise, j'ai emmené ma photo à la pêche. Je tiens à dire que... On va montrer ta photo, ben oui. Ça, le sang, c'est ma main, c'est pas le poisson. C'est ta main qui saigne, c'est pas le poisson. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Regarde, tu veux le beau sourire, je fais à que ça fait pas mal. T'inquiète pas. On va faire une pause, on revient. Et un très, très bon numéro. Peter McLeod.